Dans mon jardin, il y a un arbre, un très grand sapin d'au moins 20 mètres de haut. Sur l'une de ses branches, j'ai accroché une balançoire. C'est là que je suis assise, pensive. Il fait bon, aucun bruit. Seul le chant des oiseaux scintille dans le silence. Je pense à tout et à rien à la fois. À un moment, l'arbre me parle. Regarde-moi, je suis un arbre. Autrefois, j'étais comme toi, une jeune pousse, et j'étais plein de doutes, tout comme toi. À l'époque, je me disais qu'il fallait que je trouve un moyen d'exister et de survivre. J'étais petit, mais je n'ai jamais renoncé. Le vent me faisait pencher en tous sens. Alors je me suis dit qu'il me fallait des racines plus fortes et j'ai commencé à les développer. La pluie me faisait mal, mais l'eau qui s'infiltrait dans la terre abreuvait mes racines et ramollissait la terre pour que je puisse ancrer mes racines encore plus profondément. J'ai utilisé tout ce qui se présentait à moi, puisque je ne pouvais pas bouger pour pouvoir grandir. J'ai donc privilégié l'air qui venait du ciel et les nutriments qui provenaient de la terre. J'ai développé mes branches pour me protéger et peu à peu, je me disais qu'il fallait grandir encore et encore pour pouvoir aller voir au-delà de ce que je pouvais voir. Personne ne pouvait m'aider dans ce processus. J'étais seule. Et plus j'étais ancrée profondément, plus je pouvais m'élever vers le ciel sans crainte. Et un beau jour, j'ai réalisé que mon travail n'a pas été vain. Je ne suis pas seule. Je suis assez protecteur pour abriter des familles entières d'oiseaux. Et qu'est-ce que j'aime le gazouillis de leurs bébés. Mon écorce sert de refuge à quelques insectes. Et je suis même assez fort pour te soutenir, toi, sur cette balançoire. J'aide à la fois la vie à se développer, je diffuse de l'ombre là où il y en a besoin, et je viens mettre de la lumière sur tes pensées. Le travail a été long, mais j'ai réussi. Et j'ai réussi sans pouvoir me déplacer. Alors toi aussi tu peux le faire. Ancre bien tes racines. C'est la base. Et élève-toi le plus haut que tu peux. Je peux t'assurer que la vue de là-haut est magnifique. Tu seras assez solide pour voir et comprendre ce qui se passe et aussi pour protéger et aider les autres à grandir. Réfléchissant à chacun des mots de l'arbre, je compris. Et je lui répondis simplement « Merci ».